Protestation contre insécurité dans le pays et puis exiger libération. Sœur Marie-Mat Laurent, bandit kidnappé dans la première église à Baptiste rue de la Réunion dimanche passé. Président de la Fédération protestante d'Haïti, qui c'est pasteur Calix Fleuridor, mandé pour toute institution. Secteur ça, femme importio, demain vendredi, tant que l'école à l'église. Pasteur Calix Fleuridor, mandé pour Fidelio habillé en noir et blanc dimanche qu'a venu là, dans un service adoration yo, pour montrer le monde secteur ça en deuil. On écoute et pasteur Calix Fleuridor dans micro Radio Méga. Eh bien, nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous décidons pour nous bailler une réponse à ce genre de phénomène sale. Nous avons demandé pour toute institution, activité protestante capable de faire main vendredi 6 février qui est 1er octobre en signe de protestation contre les kidnapping, assassinat, enlèvement, vol, viol, insécurité généralisée qui a passé dans le pays. Nous avons demandé pour toute l'école fermée, toute l'école protestante, faculté, école professionnelle, université, magasin, boutique, machine de transport qui pour protestants, pour camper toujours ça. C'est seulement l'hôpital, nous avons demandé pour toujours été et quitter porte ouvert pour capable continuer bay soin à monde qui besoin ça. Et bien ça que nous a fait ça n'a fait pour tout le monde et tout l'autre groupe monde dans société qui senti indigné par zap kidnapping phénomène insécurité ça qui blaide dans la population hein. Et bien nous a demandé pour faire un seul ensemble avec nous pour nous capable bay une réponse qui ferme à autorité l'état yo, pour nous faire comprendre, pour nous faire reconnaître nous même dans population hein. Nous condamnons ça et nous pas d'accord à ce qui a passé dans le pays. Ensuite, nous avons demandé pour l'Église dimanche de vie, capable de prêcher un message sur la repentance et que la vie, ceux qui attendent nous, capable de prendre conscience que ça fait pas bon et tout le temps fait genre de pratique ça, c'est réputation pays qui a terni plus au jour le jour. Et l'autre bagage encore, nous avons demandé pour tous les protestants, chrétiens, qui prennent l'église pour y habiller en noir et blanc, pour nous capables de voir un signal clair, bah, le monde entier, que nous en deuil, nous en tristesse, nous en détresse. Alors mes amis, les arrivés, autorité de l'État, prend conscience pour nous, bah, peuple là, bon gens en sécurité, pour nous capables de vivre toute quiétude en paix dans le pays. Ancien sénateur Yuri Lato, tu continues à faire promotion plan Lidil Gain pour résoudre un problème de sécurité dans le pays. Dans une conférence pour la presse hier, mercredi, un leader AAA contre l'idée pour encercler capital, mais plutôt marcher près gang Yuan dans Basio. Yuri Lato, tu proposes, yon mettez sous pied yon corps élite antiterroriste spécialement pour gang yo. En côté déclaration, l'ami Jean-Philippe Massia. Que l'État doit faire la question banditisme d'État pour que, dans un premier point, l'État est là pour population, l'État là pour protéger la population et gagner isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis, il y a dit que la police quadrillée pour nous, c'est votre parole là. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller, le que pas une zone de non-droit. Zone qui ne doit pas cadrer, même leur cadrer en côté. Eh bien, depuis c'est dans zone ça que kidnapping y est. Depuis c'est dans zone ça, bandit, ne soit pas fréquent. Moi, dis déjà, c'est déloger les gangs côté où y est. Et pour nous déloger côté où y est, il y a un plan pour nous mettre en application. Il y a un plan pour nous mettre en application. Plan ça, il doit y avoir deux parties là-dedans. En première partie, c'est entreprendre réforme dans la police pour que Yoka nettoyer la police là, il y a pile policier qui infiltre dans gang yo pour que Yoka redéployer font redéploiement opérationnel par rapport au redéploiement administratif qu'il a. Yo doit mettre policier ou remettre en formation. Ça c'est première partie de façon générale là. Mais deuxième partie qui est extrêmement important, c'est comment pour déloger gang yo. Vous changez depuis longtemps dans l'armée, t'es gagné ça de les unités anti gang. Qu'on y a gang yo dépassé. Ils viennent tourner des terroristes. Et il faut nous montrer une unité, justement. Nous avons dit anti-gang slash anti-terroriste. Parce que c'est notre gang, que c'est notre terroriste, il faut nous déloger. Et nous disons pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à la gang, vu que les réagir en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Mais il y a 100, 200, on ne peut pas mettre une unité ça par rapport à eux.
Coordonnateur général de la partie politique Vérité, qui c'est Génard Joseph, a pas caché indication la face à remonter sa insécurité en d'appuyant. Génard Joseph, qui croyait gagner un secteur des acquis d'appuyant, mandé à l'autorité dans l'État pour prendre la décision pour freiner Zach Bandio. En écoutez Génard Joseph pour plus de détails. Donc, nous-mêmes, en vérité, nous voulons la alarmer, vraiment alarmer, nous qui sommes alarmés derrière des fonds, dégradation, situation, sécurité en d'appuyant. Et une situation économique tellement grave, et donc j'estime que aujourd'hui il y a pic ou crise, vraiment gros crise la traversée, et bien c'est question de sécurité. Et situation panne, sauf que on a regardé dans différentes catégories dans la société, c'est vraiment personne pas épargné, vraiment nous tous menacés, et c'est chaque jour qui compte pour chaque citoyen. Donc, je pense que aujourd'hui, la nécessité qui est pour être capable d'aborder les questions de sécurité ensemble, c'est vraiment, vraiment important. Et les abdas de questions de sécurité, soit abdas de remonter, kidnapping, surtout, et gagner une force, lui permettre de comprendre. Bon, usine qui a produit insécurité dans le pays, l'usine n'a pas campé. Chaque usine a des problèmes, il a besoin de résoudre la question politique surtout. Eh bien, l'usine est passée de vitesse supérieure dans l'État. Il faut faire preuve pour montrer que la capacité de gagner pour être capable de fronter et croître ces phénomènes d'insécurité. Mais tout, c'est toute société qui gagne pour prendre responsabilité. Pour nous capables d'avancer et croître à toute force, est-ce que nous avons nos chances? En garder ça, Général Joseph, puisque vous dites, depuis le régime s'est arrivé sous pouvoir, question ça, lui-même, insécurité, à kidnapping, les prend j'arrête sérieusement. Et avec Ariel Henry, c'est toujours régime dans selon plus le monde. Et nous-mêmes, dans la vérité, nous avons signé avec Ariel, là, ou quoi que je dis à la sans parler à. Et quand mon cap, tu ne comprends pas clair. Et si Ariel Henry, c'est toujours régime dans toujours, et puis aussi, en vérité, signé encore Ariel, ça ne veut dire pas là. Ça qui est important pour tout le monde, c'est qu'on est dans la signature pas vérité. Vérité n'a pas jusqu'au bout de chion, et vérité a toujours mis devant Haïti. L'autre dossier dans le journal, spécialement dossier gaz qui a vendu dans l'arrière. J'ai été annoncé ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince, France, lui juste, était dans l'arrière hier mercredi pour suivre toute pompe qui a vendu gaz dans le galon pour faire raquette pendant la population. Pas qu'à joindre gaz, chef paquet Port-au-Prince a fait qu'on est arrivé saisi plusieurs dizaines de galons dans l'opération ça qui a pu poursuivre dans le reste du pays. Nous après aller avec notre cadlab et Blaise Peterson sous affaires sous sacrivé dans Ravine Pétade la semaine passée. Voilà, vraiment gagné centre d'analyse à recherche dans question droit mon cadre qui et mettait de là un rapport 8 pages dans travail que cadre de même année concernant ça qui arrivé dans Ravine Pétade mardi qui était 21 septembre dans rapport 8 pages ça que centre analyse à recherche droit mon André son table sombre sous ça qui passait Ravine Pétade dans soirée qui était mardi 21 septembre dernier dans moment où ensemble jeunes artistes un groupe rap qui relait New Wave et puis un pilote artiste qui était invité dans question vidéo ça yo t'a tourné et bien ça qui passait dans je m'en dis qui était 21 septembre non selon rapport cadre lui même lui fait qu'on est au moins il y a 11 monde qui mouri et plusieurs autres sorti blessé parmi 11 monde ça mouri ou jeune yon certains de Lubens qui les même c'est petit garçon inspecteur divisionnaire lui c'est Usa Delius et trois l'autre monde était mouri sous place et deux l'autre était sorti blessé deux l'autre exécuté deux l'autre et quatre l'autre que la police était à la veille selon ça dit dans rapport et moun yo t'a pas joindre quatre l'autre monde ça qui mouri dans Carrefour Samida avenue Populaire Carrefour Miragouane alors c'est un côté les Carrefour Miragouane dans avenue Populaire et Riel Ben et Riel Jérémy et trois l'autre non demain si Dieu veut et cadre indiquait que de l'autre côté que chiffre yo vraiment yo grossi hein yo grossi temps à temps par rapport avec quantité monde qui blessé dans ça qui rivé à cadre rapporté tout côté fait qu'on durant et ça passé à là la police avait vers 10h30 à soir mais gain plusieurs blessés selon ça mon yo dit dans même question côté groupe artiste a chuté vidéo ça et gain en pile tout que gain information parler de nous tant qu'on Nico gain Steven Oscar qui prend deux balles dans bras gauche li gen Jacob qui prend balle dans pied gauche li gen
l'autre monde encore qui recevoir plusieurs balles d'après sa cadre les mêmes les il fait qu'on est non pendant l'opération ça cadre dit fait qu'on est que et ben identifier 10 victimes qui étaient torturées et seulement 3 qui ont accepté partager ensemble information tant que couchant gain deux policiers qui yo qui était voyou à terre était baou voyou à terre et l'autre encore qui même dans situation en très difficile d'après sa cadre les mêmes les dit non rapport 8 pages que le mettait dehors côté l'ICAD ça d'analyse à recherche dans question droit monde les mandé pour une enquête policière et judiciaire qui l'ouvrit pressé pour capable déterminer et sacrifier et puis fixer responsabilité yo et rétablir permettre que parents victimes joignent la justice enquête ça qui parle définir fondamentalement est-ce que police c'est eux-mêmes, ils étaient allés avec moi, j'ai un pile témoignage dit à tout. Et vraiment, est-ce que ça la police dit, hein? Est-ce qu'elle kembe par rapport avec à côté au fait qu'on est? Je n'ai pas parole là, tu dit. Et c'est une enquête, hein? C'est une enquête qui pourrait le déterminer. Et est-ce que c'était bon âme, est-ce que c'était faux âme? Encore, quatre demandés pour qu'enquête ça l'ouvre pour capable qu'on est. Et vraiment, est-ce que Jenat sa qui mouya de sa reproche, hein? Est-ce que c'est ça? Toujours même dans même dossier ça, il y a OPC, Office de protection citoyen, qui écrit avec, qui m'a dit, inspection générale pour capable d'ouvrir enquête pressé. Donc, correspondance qu'il a adressé avec un inspecteur général en chef en police nationale d'Haïti à France, Jean-François. Office de protection citoyen OPC a annoncé que pour que l'autorité eux-mêmes l'ouvre une enquête sur un incident qui arrivait dans la nuit, à mardi qui était 20 septembre 2021, dans Ravine Pintade. OPC souligné que en pile témoignage en pile monde dans zone nan que agent policier qui affecté dans unité spéciale différentes unités spécialisées yo ote paraît en dedans sans poser question sans dire rien yo te commencé vider balle sous jeune sao qui t'a shooté en vidéo et groupe yo gagné qui c'est New Rave OPC li mandé avec li recommandé avec inspection générale police nationale d'Haïti pour l'ouvrir enquête pressé pour que lumière capable faite sous drame ça qui arrivé à OPC, qui est Office protection citoyen, rappelé avec IGPN, agent qui est toujours en attente pour informer, pour le dire. Côté conclusion, enquête qu'il quittait l'ouvrir sous organe disciplinaire PNH LAN, sous enlèvement sanglant qui était fait dans la nuit qui était 14 pour l'ouvrir 15 octobre 2021 et dans l'hôtel Révélation, policier Jean Rosner Glézil qui était exécuté dans conditions troublantes. C'était un agent USGPN. Côté oui. Madame Noubien était venue, était à son petit moment avec dans l'hôtel ça, et Révélation qui soudainement, et puis elle était bon groupe. Quoi était bon groupe policier qui était paraît? Oui. C'est une marque concernée une vendée et puis. Victime. Monsieur victime. Tu étais pour un balle en tête et me dans la conférence en dedans côté responsable hôtel tape et ben conférence sacrivé hein le tape montre que nous comment que Negio est tiré et policier ça dans chambre côté le terrain en tout cas OPC quoi que je dis à ensemble incident qui arrivé faut autorité surtout dans niveau GPNH là qui là pour capable connait sa capacité dans la police là faut yo l'ouvre enquête faut que ben lumière sur ensemble de dossiers surtout question Ravine Pintade là toujours dossier insécurité parti et politique l'ordre démocratique exige démission sans condition directeur général à IPNH là qui dit qui yo dit qui pas bail aucun résultat face à situation sécurité pays hein ap connait dernier temps ça yo porte-parole l'ordre démocratique là Maniquel Régulus encourage autorité concernée pour prendre bon genre disposition pour équiper la police en façon pour capable à fin avec phénomène insécurité en d'un pays en côté Maniquel Régulus nami quoi Alex Gauthier. Je dis, c'est pas parce que la police là en soi n'a pas de capacité pour pacifier le pays si toutefois donc il a équipé. Mais le problème, c'est que ni la police là, ni Gangio, ils ont placé sous même commandement. Gouvernement financé tout de, ils ont tout de ces petits gouvernements, mais constat ont montré que gouvernement a gagné une petite saillie, mais plus que l'autre qui c'est Gangio. Ils ont facilité au fait kidnapping, j'en ai voulu, ils ont touillé. Et boule moun let faire au plaisir yo bloqué zone et pour travailler ça toute journée yo recevra gros magot l'argent de temps en temps dans mes gouvernements et on l'autre bord ou gagne on la police qui pas qu'à toucher yon la police côté quel investissement et parfait pour équiper yo yon la police côté il y a pas en compte cartouche by policier qui prend bataille avec deux gangs qui au même pas de problème cartouche parce que cartouche gang pas bloquer la douane c'est comme si nous t'a dit tant que moun sa yo gen franchise pour question de cartouche dans pays finalement nous quoi c'est pas possible
C'est ça qui fait, nous-mêmes, au niveau de l'ordre démocratique, nous avons exigé. Un, il y a l'autre leadership dans la tête police là. Parce que ça, on a fait dans la tête police là, personne ne connaît ça. C'est tout simplement c'est des gens qui ont marché dans la machine freeze avec un pile sécurité, qui ont petit M, qui ont un téléphone, qui ont donc gaz, qui ont brûlé comme l'État, malheureusement, qui ne paraît même rien comme résultat parce que aujourd'hui, tout le monde est en prison la caillou. Parti politique l'ordre démocratique a continué de dénoncer accord 11 à septembre nan yo dit qui rassemble tout pouvoir bayon seul monde côté ou pas inclus tout secteur dans la vie nationale là porte-parole l'ordre démocratique là qui c'est Magnekel Regulus croyait ça qu'a fait là c'est macacri politique côté acteur qui s'y encore ça c'est gagoté y a gagoté l'argent pays en côté l'autre fois Magnekel Regulus toujours dans micro collaborateur nous Alex Gauthier au niveau de l'ordre démocratique ni au niveau des protocoles d'entente national là que l'ordre démocratique signé et fait partie, nous constater dans place transition coupé fâché que n'a prôné depuis longtemps, c'est une transition coupé rachet avec deux trois réactionnaires dans Port-au-Prince qui ont même metté ensemble pour gagoter l'argent parce que yo fait en sorte nous pas capable pour nous ça n'a pas lié nous nous dit l'accord pour nous ça n'a pas lié oui mais c'est pour un accord avec des trois nèg nous dans Port-au-Prince côté diaspora par la donne côté et majorité parti à organisation politique par la donne si le Sénat et qui gagne un minimum de légitimité par la donne, tout respect y a par la donne. Bon, si ou est l'ordre démocratique qui lui-même capo les questions de justice et sécurité depuis longtemps, donc qui pas nos bagailles, bon, tout le monde comprend tout, son l'obéi. Un dossier assassinat Jovenel Moïse, directeur exécutif RNDDH arrivé les suprématiques, la police qui jusqu'à présent a protégé Joseph Félix Badjo Napéa. Pierre Espérance fait qu'on est Badjo t'est rentré à Jovenel Moïse 7 juillet après assassinat, il prend l'argent avec document. Défenseur d'homme a critiqué déclaration pour le ministre Ariel Henry qui dit dans CNN, il pas songé, il t'est parlé avec Badjo alors que dans médias en Haïti, il était déjà défendu Badjo. Pierre Espérance dit il saisit un des premiers ministres dans tout annoncé le pral mandé ministère justice nan libéré innocent qui dans prison dans dossier Jovenel Moïse en côté Pierre Espérance dans micro Jean-Philippe Massé. Ni la police, ni l'État, ni autorité dans plus haut niveau de l'État ne pas chercher Badjo. Badjo protégé par des autorités, la structure qui n'a sécurité dans le pays et dans la primature et dans le gouvernement. Et Badjo joue un rôle clé dans planifier le crime, coordonner l'exécution et même après assassinat, joue immédiatement après assassinat Jovenel, Joseph Badjo rentre dans la caille. Il prend l'argent et il prend le document. Et laisse ça Martin Moïse dans la caille. Le matin, Moïse dans le pays le 17, dimanche 17, samedi 17 juillet 2021, et après le suspension aux États-Unis, dimanche 18 juillet, matin à l'Ankara, le satellite ministre de justice qui était là avec lui, il m'a dit ministre qui l'a parité, Badjo, Badjo protégé par l'autorité qui l'a. Et ça a étonné nous, dans une interview qui a Ariel Bay à CNN, il dit comme ça qu'il n'a pas songé de parler avec Badjo. Mais c'est même et Ariel Henry, et moi quoi que mal conseillé Ariel, elle dit ça, c'est même Ariel Henry quand même, 2 semaines avant DCPJ, voyez le rapport là-bas et la justice, nous interviewé Ariel Bay avec mon radio dans la capitale là, il dit qu'il connaît Badjo très bien, il connaît. Et que Badjo n'a pas de moyens avec capacité pour planifier une opération ça. N'avancer avec information sur initiative bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques, organisation Force Delma et Latrier, organisé à Yemerezia, la yon sitting devant coup d'appel Port-au-Prince. Objectif mouvement ça, c'est pour continuer exiger libération prisonniers politiques. D'un coup, Arnel Belizer, Kilika Babas, Abelson Gouneg, Runal Coutroir. On suit un reportage avec collaborateur Josué Belamour. Mercredi 29 novembre 2021, fait exactement 22 mois depuis la police arrêté ancien député Delma Tabarlan Aronel Belizer ensemble avec plusieurs autres militants politiques pour complot contre la sûreté de l'État.
un dossier qui n'a pas devant coup d'appel Port-au-Prince et c'est dans sens ça divers militants politiques sous initiative bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques yo organisation force Delma et la trier terrain yo devant coup d'appel là jeudi mercredi a pour mandat juge coup d'appel là à commissaire gouvernement bon côté coup d'appel là prend responsabilité yo dans dossier ça maître Caleb Jean-Baptiste c'est responsable bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques yo jodi a nous venir devant coup d'appel Port-au-Prince pour nous mander avec le président coup d'appel là, qui c'est Norage Jean-François, pour le suspendre, violer, ouais, monsieur, nous venons demander avec l'autre Jean, mais toi c'est en état, il fait 22 mois, la violer, droit monsieur, je dis à faire exactement 22 mois, je dis à 29 novembre, et puis monsieur arrêté. Nous pensons, article 323, code de destruction criminelle là, il est obligé de respecter. C'est un arrêt préparatoire qui te rend, qui te demande pour mettre ça en état, et arrêt préparatoire pour faire pouvoir en cassation. Pas qu'à gagner un accord politique sans libération prisonnier politique, yo. C'est en tout cas déclaration de Jean-Baptiste qui dit la libération prisonnier sa yo pour y aller signer accord 11 septembre. Lan. Après libération, yo, pour nous connaître accord qui nous va signer et bloquer le pays. Parce que les prisonniers politiques sont sur le pour qu'il y ait une femme. Pas qu'à gagner un accord sans libération. Nous avons signalé audience en habeas corpus, policier Renald Koutoua et Abelson Gronek qui gagne accusation fantôme 509 sous le yo déroulé. Ayem Adia, yon nan avocat kap défend policier sa yo met Caleb Jean-Baptiste qui montre le confiant client lui a privé libéré fait konnen doyen tribunal première instance Port-au-Prince lan Bernard Saint-Ville ta dwe ran verdict li avant longtemps. Mais arrivé pour yon libéré, mais arrivé pour kade son libéré, mais arrivé pour kade libéré. Josué Belamou, Radio Mega. Merci José Belamou pour le reportage. Si l'organisation nationale Cap Défend doit citoyen dénoncer insécurité sous toute forme, population a fait face. L'organisation dénonce tout absence autorité policière, Lydie, qui démissionnait devant Zak insécurité avec kidnapping. J'ai bien Marcelin, yon dirige organisation Doua Moun Sa, qui c'est un groupe moun secteur politique et économique et puis pouvoir comme quoi qui t'accomplisse dans Zak Sayo. Il lance un appel by population pour prêt destin en main si l'État refusé pour responsabilité. Jean-Bernard Saint-Élamico, Josué Belamou. Nous dénoncer toute violation droit monde ak zak malhonnête qu'a fait chaque jour sur petit peuple là. Tant coup monde k'a mouri dans mauvaises conditions tout côté dans pays là. Phénomène kidnapping nan qui pas jambe suspend et puis k'a appauvri monde qui sorti dans classe sociale qui pi mal yo. Nous gagne un l'état qui pas existé du tout. Comment comprendre pour une institution tant que PNH la Police Nationale d'Haïti qui gagne pour mission protéger la vie ak bien moun et puis servir population an, malheureusement complètement démissionné et ni pas permettre moun vivre dans un climat qui gagne sécurité la donne. Ça c'est une violation droit moun grave et si c'est l'État si tout à travers un organe tant que CSPN qui gagne pour prendre décision pour permettre peuple la vivre en paix. Il y a un paquet de gros palto, quelques leaders politiques malhonnêtes, quelques moun dans le secteur économique là, à quelques moun dans l'État qui complice dans phénomène kidnapping là, qui a prongé société là. Et ces moun qui dans classe qui pi mal yo, classe sociale qui pi mal yo, qui victime chaque jour pi plus. N'a demandé pour l'État haïtien prendre responsabilité face à problème insécurité ça, problème kidnapping là, problème la vie chère. À problème grand goût. Dans sens ça, si l'État pas kabaye peuple là, bon gens sécurité, organisation nationale de défense des droits du citoyen, ONADSI, a mandé peuple là premièrement pour lui lever camper pour faire droit yo respecter. N'avancer avec information gagne un groupe avocat qui bat tête non club avocat solidaire qui dit au choisi Clarence Renoir comme résident provisoire pour gérer transition. Avocat ça représente Clarence Renoir comme un rassemblé qui capable mettre tout secteur chita ensemble pour jouer une solution. Maître Hudson Jean mandé communauté internationale en supporté au non choix si là qui c'est Clarence Renoir comme résident provisoire pour gérer transition. C'est choix ça groupe avocat ça yo qui c'est club avocat solidaire même yo proposé mais yo fait. En écouter et yon là donc qui c'est Hudson Jean dans micro Jean-Philippe Masséan. Le peuple est plus fort que la constitution, le peuple est plus fort que la loi. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple haïtien exprime aujourd'hui au monde entier ses attachements au système politique, un président,
un premier ministre. Dans toute la République d'Haïti, le peuple haïtien veut et demande un président provisoire rassembleur à l'instar du cher Clarence Renoir. Monsieur Clarence Renoir, le rassembleur, sera un président provisoire qui répondra aux attentes sociales et politiques actuelles du peuple haïtien. C'est l'homme qu'il faut pour atténuer la crise politique actuelle. Le peuple a dit, Monsieur Clarence Renoir, c'est mon tout le monde. Il parle à tout le monde. Il a mis tout haïtien ensemble dans le pays. Le peuple a dit, il fait l'histoire encore. Il dit tout pays étranger, il se met destin. Il finit avec tout le palais en pile qu'il a fait. Je dis, il demandait le président provisoire rassemblé qui semblait à Clarence Renoir. Premier ministre Ariel Henry II mettait en place un gouvernement équilibré qui a bien pour l'adresser difficultés socio-économiques que la population a connu dernier temps. Sa yo, déclaration Jean Joseph qui a lancé une mise en garde à tout le monde qui a vint partager gâteau. Acteur concerné de agir pressé, sinon Pita Pitris, d'après sa Jean Joseph, ajouté un coup de l'amico Peterson Blaise. On s'est allé vraiment tard. Et non seulement tard, parce que paraît trop tard. Souffrance là est insupportable. Quel que soit groupe politique, groupe société civile, quel que soit acteur qui a porté accord ou bien qui a porté désaccord, je dis à une urgence, vraiment extrême urgence, pour que nous concilions position pour nous être payés à notre côté. Je dis à la CAIC, c'est juré, non? Parce que je ne peux pas manger tout le paquet de route, je vais marcher, je vais te ça. Il faut que nous dépassement qui fait qu'il tout acteur. Pour retirer tête nous dans cette année-là, nous trois égoïstes, nous trois orgueilleux, nous trois coins, nous il faut que nous mettions Haïti devant. Et si nous mettons Haïti devant, dans 24 heures, nous sommes capables d'une solution qui permette que nous montions un gouvernement et vraiment équilibré, qui a des capacités pour permettre que le colter à problème qu'a résidu. Mais si là le bon gouvernement, ma bon bataille gâteau blanc à la blanc, blanc à la blanc, et pencher bateau à un seul bord, solution pas fini. Ou senti gen ça qui a fait là, qui pourrait faire là dans le gouvernement ça, dans quoi ça, pas gen ça tout qui pourrait faire là comme si on partage gâteau? Nous pas gen aucune information sur ça qui a fait le choix, mais. Non mais ou d'accord général Joseph, c'est vrai ou ne pas connait, mais soit dans accord là aussi accord là, et normalement ou pas avec des concerts, yo peut être blessé bas ou comme ça non, c'est mise en garde ma baie à Ariel et toutes nos compatriotes qui ne tinoyo cap former gouvernement. Si yo gen mal, yo échoué dans formation gouvernement, yo pas venir avec des monde de haïtien, des personnalités crédibles et qui pas capable à Haïti zanmi ni ba groupe vraiment au gouvernement équilibré, eh bien, à bon entendeur, salut, par exemple, pas marcher. Et voilà, nous avons avec information là, côté gain plateforme politique équilibre qui lui-même, côté parle, et qui d'abord, qui dit que tout accord qu'il a pas compris, lui demande que tout acteur, accord en septembre, accord de Montana, accord peine, que tout accord ça font seul pour permettre que retirer paysan dans une situation trouvée le journée et jeudi là. Non, pour l'inviter, nous écouter Wilbert Delhomme, lui-même, qui est secrétaire général, plateforme politique équilibre, qui t'est parlé dans le micro Radio Mega. On écoute citoyen ça, qui c'est Wilbert Delhomme. Il dit, c'est l'autorité, côté que c'est l'argent nous a payé, n'a pas marché, nous n'a pas circulé, nous n'a pas travaillé, parce qu'on a un peuple assonné. Et puis li entre conforme normal. Mais j'ai voyé au banon là côté que gien vinn entre pays a. Plateforme politique équilibre mandé pour que société civile là force organisée yo chambre sénat pour yo mettre tête yo ensemble pour yo joindre un accord largement large cap bon pour toute population qui capable répondre avec desiderata peuple ça qui n'ont souffrance, qui pas capable encore. Mais si ces modèles-là, quoi ça yo, son excellence Premier ministre nous abstient avec Zamili, eh bien la bien exclusion. Nous besoin pour des accords cap signé yo, pour yo sans exclusion, pour tout le monde la donne et le ça, ou après un gouvernement apaisé, côté que tout le monde la donne,
le ça tout moun a bien responsabilité yo côté que le ça n'a pas population la braler en souffre. Voilà, ça c'est déclaration Wilbert Delhomme, n'avance avec information. Dossier éducation dans journal lancé en baradé annoncé pap que l'école dans commune ça pour lundi 4 octobre qu'a vinn l'agent l'état été fixé ça dans département qui touché après tremblement terre 14 d'août yo l'école yo crasé jusqu'à présent autorité yo pas fait aucune intervention pour aider institution sa yo d'après ancien sa yo qui toujours attend si pas autorité yo yon ancien yon ancien yo te nan miko Jacques Cassagnol qui depuis barade. Oui, c'est bon. L'État dit, vous l'avez dit, l'État dit le 4 octobre, mais pour nous ne barade, comme nous disons encore, nous sommes tout à l'heure à l'école là pour nous ne barade, l'école là pour l'ouvrir, ne barade pas, pour une raison. Parce que vous paquet mis en place que l'État pour que jamais fait au niveau de l'école. La majorité de l'école nous barade, grâce à une beaucoup jamais intervention que l'État fait au niveau de l'école, au moins, pour recevoir. À qui est-il nous le dit? Et nous-mêmes enseignants toujours, qui n'a pas jusqu'à présent n'a pas travaillé pour comme Sugo, comme qui sont contractuels, actuel, des contrats finis d'abord. J'aime dire nous, j'aime pas nos dollars et nous prenons dollars dans main. Nous dit que l'école là pauvre elle ouvre, nous pour le travail sans que l'État va payer nous. Faut que l'État paye nous pour que l'école là l'ouvre le dit. Et nous encore mise en place tout, faut que vous faites tout au niveau état scolaire. Le qui est à l'école est écrasé ou qui ça? L'école est vraiment écrasé. Le crasi. Et après, même nous, l'école, on va gérer. Et l'école, je viens de dire que comme l'école l'a dit, l'école l'a crasi, que l'école l'a beaucoup carré sur Timounou. Faut une intervention pour l'État faire avant que l'école l'ouvre. Et pourquoi j'aime faire une comme intervention. L'autre information pour être capable finir là dans développement information dans le journal Megamat et Conseil national migration CNM République dominicaine qui publié mardi passé là une déclaration publique qui exposait mesures qui visait pour faire respecter sa réglementation employé étranger dans entreprise yo une disposition qui visait également empêcher monde entrer étranger également et dans question étranger légaux qui représentait un fardeau pour finances publiques et qui femme enceinte depuis qui gagne 6 mois qui a privé et ses domaines. Le gouvernement dominicain a engagé pour le faire respecter la loi en pile dans le secteur économique national dans le pays pâle. C'est ça capable de déclaration publique qui est estimé qui est anormal d'après les populations immigrants qui est surchargé services publics financiers dans le pays Saint-Domingue. Et le gouvernement a accordé un délai 3 mois pour que l'entreprise employée et puis employée yo engagé étranger ou manière irrégulière qui engage employé de manière irrégulière qui a fait face avec question loi réglementation sur question immigration pour au capable mettre yo en règle sur question ça dans ça qui est pour avec étranger entrée étranger illégal qui représente une charge pour pays pour ces domaines gouvernement indique que à éviter que moun rentre irrégulière surtout femme enceinte qui gagne 6 mois qu'a rentrer dans pays depuis femme enceinte là gagne 6 mois un mois dans une situation très difficile pour rentrer et ces domaines au moins plus ou moins 3 mois selon ça eux même ils dit parce que estimé que jodi à là eh bien femme haïtienne qui en République dominicaine yo triplé en 10 ans en 10 ans là au triplé quantité petit monde qui fait ces domaines côté au passé avec 30 322 naissances pendant l'année 2020 qui représentait 27% et petit monde qui fait dans pays États-Unis et ces domaines pardon qui est supposé entre 10% 14% ensemble budget et question pour la question santé l'hôpital dans un pays et ces domaines c'est ça que autorité même dit question femme enceinte cap rentrer le bois et puis femme enceinte gain 6 ans et 6 mois disons bien la gain difficulté pour l'entrée et dans un pays Saint-Domingue nous pour aller avec information ça nous pour aller exactement Bahamas avec collaborateur nous Ronald Pierre qui pral venir avec situation ça et situation compatriote haïtien nous yo dans pays et Bahamas nous pour aller avec plus que des vices informations qui concernent compatriotes haïtiens yo amis auditeurs Radio Mega ou pas prêter aucune information.